Le ministre d'État, ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Guiling, a tenu une rencontre avec les représentants du mouvement des entreprises de France, MEDEF, ce lundi 16 septembre 2024. Cet échange avait pour but de renforcer les relations économiques et d'encourager les investissements entre la France et le Tchad. Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets ont été abordés, notamment les opportunités d'investissement, les mesures incitatives mises en place par le gouvernement et les défis à relever pour améliorer l'environnement des affaires. À la fin de la rencontre, le représentant de MEDEF a pris la parole devant la presse pour livrer ses impressions sur cet échange fructueux. C'était une réunion enthousiasmante, nous allons poursuivre. Et je suis sûr que les entreprises qui sont là contribueront en partenariat avec les acteurs tchadiens, parce que la force des entreprises françaises, c'est de vouloir faire des partenariats de co-construction où nous allons apporter notre capacité de financement, notre expertise, mais nous souhaitons le faire avec des entrepreneurs tchadiens que nous verrons d'ailleurs ce soir, et nous contribuerons ici grâce aux réformes structurelles qui ont été faites ces dernières années à créer l'emploi, à créer des emplois au Tchad. Ces dialogues avec le patronat français représentent un pas en avant dans la consolidation des relations économiques, ouvrant la voie à de nouveaux projets et initiatives visant à dynamiser l'économie.